Ok, c'est parti YouTube, aujourd'hui Morne en top lane avec Conquérant Triomphe, Accélération, Barreau d'Honneur, Plaque d'Osser, Vitalisation. On va jouer tout simplement un Morne 2, on va stacker le max de PN possible. Parce que pour ceux qui savent pas, le E de Morne Kaiser lui donne un passif qui fait qu'il stack de la pénétration magique à chaque fois qu'il level up le E. Donc je me dis que si on prend ce passif là, et que par dessus, on rajoute plein de trucs. Alors par contre toi, j'ai un Ignite, j'ai mon Q, tu ne gagnes pas. Et bah les gars, j'ai raté mon Q. Ok, nice. C'est dommage, si j'avais pas raté mon Q, j'aurais pas eu ma flash. Alors maintenant, on va être en situation un peu délicate, parce qu'il va falloir que je poche tout ça très très vite, parce qu'il va revenir avec sa TP, il va probablement me tuer. Allez, par pitié, crash. Ok, c'est bon. Bon, ça va, je suis quand même avec encore pas mal d'HP, je devrais pouvoir rester en ligne. Il y a le Kayn derrière, je vais laisser le Renekton avancer, et peut-être qu'on aura un go. J'ai demandé de l'aide. Hop. C'est dommage que j'ai pas mon... Ouais. Dommage que j'ai pas mon Z. Mais normalement il est mort. Ok. Ok, nice. Donc en tout cas, voilà le build les gars. J'espère que vous kiffez. Vraiment un build de zinzin à base de 3 items plus des bots. Si la game dure plus longtemps que ces 3 items, j'ai plus d'idées les gars. Donc, il est niveau 2, je suis niveau 3. Bah. Niveau 3, je suis niveau 3. J'allais dire que j'ai pas d'infos sur le Renek, mais ça a l'air d'aller. En fait, il est là le gars. Hop. Voilà. Comme il avait pas son Z buffé, je savais que c'était bon là. Ok, nice. Le shield, je crois que je l'ai bas, hein, attendez en fait. Ok, nickel. J'ai eu un peu peur pendant un moment, mais ça va. Ah, j'ai une capté, mais la caméra elle est tout à l'envers. Hop là. Et on a le Kayn. Ah, j'attendais le dash. Nice. Ok, let's go. Non mais il est larme. En vrai, je pense que je vais l'engage direct là parce que j'ai mon R. Non, ça vaut peut-être pas la peine. Non, trop risqué, trop proche de la tour. Boum. Boum. Ok, nice. Ça va pas mal en fait. Parce qu'il y a un monde où j'arrive à le tuer là quand même. Non, les gars, il est passé derrière moi avec sautage. Oh, sans déconner. Bon, pas de bol. Tant pis. Tant pis, tant pis, on va y aller. Ou alors on reste et il y a le Kayn. Et on le tue avec le Kayn. Bon, bah d'accord. Bah ou alors on le tue tout seul parce qu'il a pas eu le temps de R. Ok. Boum. Boum boum. Casse mon shield. Je crois que je le bats quand même. Ah j'espère. Ah. Ok. No flash. On va y aller direct. Attendez en vrai parce que si je grip une wave. Je pensais qu'il avait recall. Bon c'est pas grave. Je vais dire si je grip pour une wave j'ai mon item. Hop. Oh il vient de dash. Allez, tu viens là. C'est la punition. Bon, là, je vais juste l'auto jusqu'à ce qu'il meure. On prend aucun risque. Voilà, nickel. Allez, hop, petite plaque et on y va. Hop là. Nice. Bon, nice. En vrai, je pense que j'ai juste chill le temps de récupérer mon R. Parce que là, s'il me fight avec son R, il y a moins que je meure. Après, je lui mets des bons dégâts. Bah, voilà. Petit coup de massue à 300, là, ça fait pas plaisir. Ça prend de plus. Hop. Hop. Ah, bah, d'accord. Alors ça a l'air d'aller en fait hein, si on la joue slow. Là il va être obligé de R. Bah il a pas R. Bah d'accord, je crois qu'il a même pas vu mon Ignite. Bon le Kayn gagne, hein, je vais pas aller l'aider. On va continuer de prendre des plaques. Ok bah j'ai eu la tour du coup bah c'est cool. Hop là. Let's go. Yo Renek. Ah. Je m'attendais pas au dash, mais c'est pas grave. Boum. 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 Et boum. Quel petit tour midlife. Est-ce qu'il y a un groupe à voler? Bien sûr qu'il y a un groupe à voler. Eh bah, il n'y a pas de groupe à voler. Oh, attendez, je tue les deux, là. Ok. Bon, ça fait un. Est-ce que j'ai eu le groupe? Je sais même pas si j'ai eu le groupe. Ok, dommage. Je crois qu'ici, étant en solo, j'aurais pu grid. Faut essayer de le tuer. Ok, nice. On va pouvoir jouer pour la T2, du coup. Ok, nickel T2. Let's go. Yo Scarner, hop là, merci. Ah, c'était le Uber Eats. Hop, boum. Nickel. Peut-être péter la tour, voilà, merci. Ok, bien joué ça. Ok, nice. Je suis peut-être mort là. Ouais, je suis 100% mort. Attendez le Q. Oh, dommage, je crois que si je mettais mon Q, il y en avait au moins un ou deux qui mouraient là. Si j'arrive à aligner un E.
Je crois que j'en tue un. Ok, nice. Ah, dommage. J'aurais dû l'ignite. Tant pis. Ok, pas mal ça. Boum. Let's go. Petit Drake. Non, le Drake c'est bon. Bon. On va essayer de jouer pour la T2. Après, le problème c'est qu'ils sont beaucoup sur la T2. Ouais, voilà. Bon, là déjà, si je regarde, j'ai 45 de péné flat plus 40%. Je sais jamais si c'est le flat qui se met en premier ou la péné normale. Mais là, si je regarde trèche à 70 de RM. Donc, si c'est dans l'ordre et qu'on fait 40 puis après 40% de ce qui reste, il doit avoir quoi, à peu près 20 de RM pour moi. Mais je sais vraiment pas comment ça interagit entre les réductions. En fait. Tout ce qui compte, c'est qu'on fait beaucoup de dégâts. Écoutez, on va pas réfléchir plus loin que ça. Boum. Ok, nickel. On continue sur la T2. La T3, pardon. Mauvaise tour. Ok, le Thresh. Merci, Thresh. Hop, nickel. Allez, on continue la T3. Ça s'arrête pas. On va la voir. Ok, c'est bon, nickel. En fait, le problème, c'est que tous les autres items qui réduisent la péné magique, je peux plus les faire parce que du coup, je suis coincé comme j'en ai déjà fait un. Donc là, le truc, c'est que je sais pas quoi faire comme item, en vrai. Écoutez, on va faire un créateur de faille. Bon, vas-y, c'est même pas drôle, hein. Vas-y, vous savez quoi, je prends le risque. Hop, je pars full dégâts, Rabadon, enfin Medjay, et on tente de stacker le Medjay. On y va full à l'arrache. Ok, là, ça se bat. J'ai un flank. Ok. Nice. Boum. Nickel. Lui, là. Il est mort, cool. Ok, on peut jouer pour la T3, je pense. J'ai encore mon R, donc là je peux peut-être choper la hache. Ah, dommage. C'est pas grave, comme ça on a la tour. Hop, nickel. Du coup, double inhib. Voilà. Ok, Thresh. Boum. Boum. Hop, clean. Je suis peut-être mort là. Je crois que je suis mort. Non, ça va. Non, ça va en vrai. Hein. Boum. Oh la vache, mis de dégâts. On est déjà à 14 stacks sur le Medjay. Ok, 16 stacks. Bah, je crois que c'est fin de game. Bah, GG les gars. Bah voilà, c'était le mort de full péné. Ok, 45 de péné avec le passif maxé. Plus 41% juste derrière. Pardon, c'est l'inverse. Et voilà. On va voir les dégâts. Hein. C'était sympa. Bah, de toute façon, en général, les builds de dégâts, une fois que vous chopez 2-3 kills en early, ça marche bien. 32 888 dégâts. Voilà, encore une fois, merci YouTube. Je vous fais des bisous. Puis à la prochaine. Salut YouTube!